Vandaag de limiet. Hoe was die race voor jou? Je suis très contente parce que ça fait déjà trois fois que j'étais très près de la limite. Et là, c'est enfin passé en dessous. Donc, je suis très soulagée. Allez, je suis contente de partir pour Barcelone. Het is nog een beetje boven je PB, personal best. Gaat dat er nog in zitten dit jaar? J'espère aller encore plus vite, oui, parce que allez, il y avait du vent de face ici. La piste était très bonne, les conditions aussi, dommage pour le vent. Mais je pense maintenant que je suis vraiment soulagée, donc je vais pouvoir travailler avec l'esprit plus libre et j'espère maintenant que les chronos vont descendre. Staat er vandaag ook nog een 400 op het programma? 400? Viermalvier? Ja. Ja, ik loop viermalvier. Ja, je vais essayer d'aider les filles pour faire la limite pour les championnats d'Europe à Barcelone. Donc, on va voir. Als jullie je kwalificeren met de 4x4, ga je dat ook lopen in Barcelona? C'est pas possible de combiner le 4x100, le 200, le 4x4. C'est pas possible. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, je voulais bien aider les filles de 4x4 pour courir la limite. Mais à Barcelona, je vais pas courir Viermalvier. Ik loop niet Viermalvier in Barcelona. 4x100? Nee. 200 is genoeg. Maar de Belgische teams hebben je dus wel veel nodig, hè? 4x100, 4x400. Ja. Jij zelf 200 meter. Welke afstand vind jij het mooiste? Voor mij de 4x100. Je préfère 4x100 et le 200. Mais Viermalvier, c'est trop difficile. Is hard. De sport, hè? In jouw familie? Jouw broers, jouw vader, jouw moeder. Vanaf welke leeftijd is dat allemaal erin? Ben je daarmee opgegroeid? Oui, c'est toute la famille qui court. Enfin, mon papa est l'entraîneur. C'est une grande émulation de pouvoir courir tous les trois. Et de voir mes frères à un si haut niveau, c'est vraiment... on a envie de faire mieux, c'est vraiment amusant.